On doit créer un jeu de société. C'est fait Albert. Voilà, j'ai failli s'y faire. Elle a fait le casting, mais après. Regardez comme c'est moche. Si tu perds, tu bois un shot. Tout le monde était malade. Il y a aussi des aléas. Clap, ça tourne. Action. Non, je m'attendais pas à l'entrée. Bah, tu regardes ma vidéo ou quoi? Bonjour à tous, c'est Anna, l'actrice ratée de Paname. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Ta gueule. Bon, j'ai décidé de vous faire un vlog tout simplement pendant... Anna. Oui, oh, oh. Donc du coup, oui donc du coup... Ah c'est fou mais sa mère. Donc en gros je vous explique, là je vais filmer pendant à peu près 2 semaines. Parce qu'en gros là pour l'école Sup de Sup, donc je suis à Sup de Sup pour ceux qui savent pas. On a un séminaire, on doit créer un jeu de société pour la marque Bonne Maman. Enfin en gros c'est pas vraiment pour la marque, on est tombé sur la marque Bonne Maman. On doit créer un jeu de société, même si on est deg parce que de base on voulait tomber sur la marque Durex. Mais on n'est pas tombé dessus, du coup on est vraiment deg. Yeah, je viens seulement de commencer le vlog hein, pour te dire, oui. Bref, du coup on est tombé sur Bonne Maman, on doit faire un jeu de société. Donc je vais vlogger. Je commence à vlogger à la fin de la première semaine. Du coup on a pas commencé encore le jeu. Enfin si on a commencé les idées et tout. On a pas commencé le jeu de société, bref on va commencer. Vous allez faire le vlog avec moi, voilà. En gros je vous explique, la semaine elle vient seulement d'arriver parce qu'elle est rentrée de Tunisie. Elle a dû se faire tester 92 fois avant de pouvoir venir au séminaire. Avant d'aller en Tunisie, devant l'aéroport, elle s'est fait tester positive et du coup j'ai pas pu prendre mon vol. Ouais, elle a pas pu rentrer pour Noël, genre. Bars, ah oui, c'est un bon. Ah, mais je connais. Et du coup, il y a un rouge à lèvres. Non. Et un... On est le vendredi 7 janvier, exactement une semaine avant la présentation. On a à peu près toutes les idées pour le jeu, mais c'est loin d'être parfait. Donc, le but numéro 1 de la journée, c'est d'améliorer toutes les idées. À la fin de la journée, on doit savoir tout ce qu'on va mettre dans nos cases, le nom de ces mêmes cases, etc. Bref, à la fin de la journée, tout doit être nickel. Là les gars je vous explique. En gros hier on a fait de la fimo. Donc là on a des petits trucs en fimo. Sauf qu'en gros je dois refaire, enfin on doit refaire des trucs. Ouais donc en gros on doit refaire là des trucs. Donc on doit refaire ça, ça et ça. Et on doit refaire d'autres trucs, il y a pas assez de pions. Donc on va refaire d'autres pions hein. Donc vous allez faire de la pâte fimo avec nous. Mission numéro 1 de cette journée, la pâte fimo. On a décidé de faire tous nos pions en pâte fimo. Alors que la dernière fois que j'en ai fait, j'avais 9 ans. Mais bon, ça c'est notre mission, à Marie et à moi. Les autres ont essayé, mais visiblement c'était pas trop leur fort. Alors elles ont vite abandonné. Mission numéro 2 de cette journée, la peinture. Il faut peindre toute la boîte de jeu en blanc pour ensuite pouvoir la recouvrir comme on le veut. Ça a l'air cool comme ça, mais c'était long, très long. Ça, c'était la mission de Jasmine et de Loane. Donc, c'était leur problème à elles. Les gars, je vous explique, là on va aller acheter à manger. Je vous emmène avec moi parce que les filles elles m'obligent, moi je suis un peu gênée. Hein. Allez, on vous emmène à la cafétéria de Sup de Sup. Allez, let's go. Alors si ma mère regarde ce vlog, sache que toute la semaine j'ai emmené à mon propre manger. Mais cette fois j'ai eu la flemme d'aller en course et je vais acheter à manger, mais je vais acheter quelque chose de sain à peu près. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous m'accompagnez à la supérette d'abord. Boom tour du campus. Ah cool, c'est la supérette du campus. Ah lui, ouais. Tu voulais qu'on aille Non, là c'est la cafétéria. Regardez, ils ont mis quoi, ça fait, ça fait un jukebox. J'avais pris du crabe mais genre Bon du coup on allait acheter à manger. On allait acheter à manger à la cafette. Les filles elles sont en train de peindre là. Et là on va faire notre pause bouffe. Et voilà. Ok. Alors Albert, mission reporter. Ici nous avons Albert reporter. Ok pardon. Jassou. C'est qui Albert?
Des reportages, Albert. Oui, Albert fait des reportages. Comment on utilise cette merde? Des reportages. Oui, des reportages. Oui, il fait des reportages. Ah, il fait des reportages animaliers? Mais pas du tout, c'est une publicité pour le lait. Facile à digérer. Il fait des reportages sur le lait? Mais c'est une pub, c'est un slogan pour avoir un. Mais c'est quoi le rapport avec le reportage? Dans une pub de lait. Pain, pain. Pain? Pain. Ah, pain. Pain. D'habitude, elle chante bien, hein, je vous jure. Non, ta gueule. Quoi? C'est faux, elle chante trop bien, elle peut faire The Voice. Même elle a fait The Voice, mais elle a. Non, c'était pas toi. Si, c'était toi. Elle a fait le casting, mais après, il est pas allé, c'était plus. Les pauses pendant les séminaires, c'est sacré. Parfois, on a juste besoin de souffler et de pas parler de ce qu'on doit faire. Enfin, surtout pendant la première semaine. Du coup, je profite de nous qui sommes en train de faire une pause pour te proposer de t'abonner à ma chaîne YouTube parce que ça me soutient de ouf et ça me fait trop trop plaisir. Et tu peux aussi activer la cloche de notification et mettre un pouce bleu si jamais la vidéo te plaît et si tu veux plus de vlogs de ce genre. Moi, ça me motive trop et ça me pousse à continuer les vidéos. Et je te laisse retourner à la vidéo maintenant. Goodbye. Mais après, ça fait... J'ai pas trop coordonné les jambes et les bras. Non. Viens en trouver un. Community psychopathe. Mais c'est pas vrai, je suis pas une psychopathe. Tu pourrais juste faire la série You, mais ça va. Elle a déjà fait son intro, ma gueule. Vous allez voter quelle intro me préfère. Bonjour à tous. Non, c'est quoi que tu fais? Ah, je suis gênée maintenant. Clap, ça tourne. Action. C'est tout? Ah ok ok, bon bref, clap, ça tourne, action. Bonjour à tous, c'est Anaël, l'actrice ratée de Paname. Attends, j'étais en contre-jour, on refait. Bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est Anaël, l'actrice ratée de Paname. Bonjour à tous, c'est Anaël, l'actrice ratée de Paname. Je sais pas comment elles font les meufs sur Instagram pour prendre des photos au soleil parce que elles deviennent aveugles, non? Venez, on cotise pour qu'Anaël elle achète une meilleure caméra de vlog. C'est même pas une caméra de vlog, c'est la caméra. Ah, c'est pas une caméra de vlog? C'est une caméra de vlog, mais moi c'est ma caméra de vlog. Du coup, coucou les amis. En fait, moi je vous explique, moi je m'appelle Jasmine. Je suis la. Mais là t'es zoomée, frère, des zooms. Mais c'est elle, elle zoom des zooms. Ah, ça tourne. Ça tourne. Du coup, ça. Non, en fait, moi je voulais juste me présenter parce que moi je suis poulie, vous voyez. Et du coup, vu que vous allez peut-être voir ma gueule quelques fois, il vaut mieux qu'on se connaisse entre nous. Du coup, moi je m'appelle Jasmine alias Jassou. C'est mal élevé de demander l'âge, donc je dirais pas. Non, j'ai 20 piges. Je suis en école de communication à Sup depuis. Ça te dit un mot? T'es relou, genre t'es pas une personne intéressante. Moi je suis plus intéressante. Attends, mais j'ai pas envie de faire ma truc. Comment ça me saoule, celle-là? Alors, du coup, moi en fait, je vous explique. Voilà, je prends mes aides avec vous. Mais du coup, moi je suis la plus cool des potes d'Anaël. La vérité de la vérité. De toute façon, vous allez le remarquer parce que j'ai un 2, 1, je suis. Allez, bisous, on s'en va. C'est raciste. Allez, montre-nous ce que tu fais. Là, je suis en train de peindre parce qu'en gros, ça doit devenir blanc. Sauf qu'il y a du relief et du coup, j'arrive. Ça, tu mets pas dans la vidéo parce que j'ai l'air d'être psycho un peu. Regarde, non, tu peux dire bonjour aux abonnés d'Anaël. Je te mange. Là, il y a le début. Vous voulez pas mettre un verre foncé? Mais moi, j'aurais bien un verre sympa. Comment elle mange? Regardez comme c'est moche. Regarde ce qu'elle mange. Il faut le faire. Et pour le faire, il faut faire un cercle parfait. Qu'est-ce que je fais, Anaël? Elle a dit quoi? Je regarde mon entourage. Ah, je pense à ma fille. C'est quoi ça déjà? Est-ce que ça pique? On va faire un jeu, Anaël. Si tu perds, tu bois un shot. C'est de la harissa. Ok, vas-y, j'ai une question pour toi. Quelle est la capitale? Quelle est la capitale de la Tunisie? Mais personne sait ça. C'est dans le mot même. Ah, c'est Tunis. Bah, waouh, bravo. La capitale. Mais c'était qu'une question, hein. Non, non, la capitale du Chili. C'est bon, je peux pas savoir. Attends, j'ai un doute en fait. Bah voilà. C'est Santiago? Bah oui. Ah, mais c'est la capitale de l'Argentine, c'est quoi? Buenos Aires. Ok, et mais non, mais c'est la capitale de Montcourbeau. Et la capitale. Montcourbeau, c'est Montcourbeau. Bref, la capitale de l'Australie. 1, 2, 3. Ah ouais, moi j'ai jamais essayé de faire un spicy butcher avec. Ça fait rien. Ça fait quoi? Oh, t'abuses, Anaël. Quelle est ta réaction face à cela? Oui, le bout de la gorge. Je vous ai parlé des pauses et d'à quel point elles étaient sacrées. Mais dans nos journées, il y a autre chose qui est très sacrée. Et c'est les moments débat. Chacun donne ses idées et personne ne doit être susceptible. C'est notre règle d'or. Parce que si on n'aime pas quelque chose, on le dira. Alors, la règle pendant le séminaire et surtout pendant les débats sur les idées, c'est ne pas se vexer.
Mais non, mais surtout que le thème à la base du jeu, c'est un peu la. Après, c'était la famille. Moi, je veux, mais oui, moi, je veux bien la maison, mais alors tu fais pas. Actuellement, il y a des recherches de plateaux. Voilà, la salle de bain. Voilà. Là, il y a une salle de bain. Là, il y a une chambre. Là, il y a un salon. Donc, Anna, elle est devant. Son nu à chier. Tu notes combien le dessin? Franchement, je pourrais mieux faire. Non, mais c'est bon, pas de temps. Bon, les gars, c'était la fin de votre première journée avec nous. Demain, il y aura pas toute l'équipe, mais on se retrouve chez Jazz pour faire le plateau jeu et tout. Parce que bah, faut qu'on le fasse, faut qu'on ait fini pour lundi pour pouvoir faire la vidéo. Bisous et bonne nuit à moi-même. À la semaine d'après. Hello les gars, on est actuellement samedi, donc le lendemain de hier. Du coup là il est presque 9h, je dois être chez Jasmine pour 9h30. Je mets 40 minutes en métro presque pour aller chez elle, les joies de Paris. Donc je sais que je serai clairement en retard. On va aller chez elle pour faire donc du coup le jeu de société, pour faire le plateau et tout, comme ça ce sera fait. On veut, enfin on y va le matin comme ça parce qu'on espère que ce sera fini en début d'après-midi. Attendez, je suis fatiguée là d'être debout. On espère que ce sera fini en début d'après-midi parce qu'on a envie d'être un peu tranquille ce week-end, genre de pouvoir rentrer, de pouvoir se poser et de fou. Allez, let's go les gars. Heureusement je regarde mon portable avant de partir de chez moi parce que j'avais oublié de regarder, mais j'aurais peut-être dû regarder en me réveillant parce que du coup Jazz est malade. Du coup j'étais prête, genre j'avais mon manteau, j'étais prête à partir, j'étais devant ma porte. Du coup heureusement que j'ai regardé avant d'arriver chez elle. Donc du coup voilà. Et voilà, c'est pour montrer qu'il y a aussi des aléas. C'est la vita loca quoi. Bon les gars, faut que je vous parle un peu de notre avancée parce que nous sommes toujours samedi et comme vous le voyez je suis toujours chez moi et je n'ai rien filmé d'autre. Je vais vous expliquer, en gros tout le monde était malade. En gros il y en avait qui avaient la nausée, moi j'ai une grosse migraine, ceux qui le savent pas. En fait je pense que personne ne sait parce que je n'ai jamais trop parlé sur ma chaîne, mais je suis hyper migraineuse. Genre je fais des migraines hyper souvent et tout, maintenant je suis sous traitement et tout. Mais bref, du coup c'était un peu compliqué aujourd'hui. Là ça va un peu mieux, mais du coup on a essayé de bosser un peu chacune de notre côté. Et on va se retrouver demain du coup pour refaire le plateau. Et voilà, du coup on se retrouve demain et on fait le plateau. Et lundi on bosse bon, on bosse sur la vidéo, sur les TikTok. On doit faire une vidéo, on doit faire un TikTok. En fait je vous ai pas du tout expliqué le séminaire, mais en gros on doit faire un jeu de société sur Bonne Maman. Et on doit faire une vidéo YouTube pour faire un petit tuto de la marque. Ensuite on doit faire une vidéo TikTok ou Instagram. Du coup on va faire une story Instagram parce que la marque est plus présente sur Instagram. Donc une story Instagram pour promouvoir le jeu de société. Faut savoir que la marque est pas du tout au courant. Genre c'est des trucs qu'on fait bah, juste bah, des projets pour l'école quoi. Et je sais pas trop s'ils font ça dans les autres écoles de communication, mais c'est pour ça que à SUB Depuis par contre ça c'est hyper cool. Voilà. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous expliquer. Quand vous passez le concours pour entrer à SUB de pub, vous choisissez soit d'aller en créa, soit d'aller en stratégie. En gros, créa c'est plus artistique, donc pour ceux qui aiment le dessin, le graphisme, etc. Et stratégie c'est pour ceux qui préfèrent la stratégie ou tout simplement ceux qui sont nuls en créa. Pendant les séminaires, c'est bien de se mélanger au créa. Et devinez quoi, on n'a aucun créa avec nous parce qu'on n'en connaît aucun. Sauf que ce séminaire, il est clairement fait pour les créas parce que qui est capable de créer un plateau de jeu si c'est pas eux? Et il est pas du tout adapté aux strates. Donc en gros, on est dans la merde et pour le moment, on sait même pas comment on va être capable de faire un plateau. Il nous reste 5 jours avant la présentation et on n'a jamais été aussi en retard. Et on a eu plein de galères! On avait pas dit qu'on jouait pas au dé? On est à bout en fait, on est à bout. Comment elle est pas là? Elle a dû recoller tout le plateau, tout s'était décollé. Oh! Money in my system. Money in my head.